soit le graphe de la fonction f de x qui passe par ces trois points. Donc on a ici une représentation d'une fonction f de x et on nous donne trois points sur cette courbe. Identifie lesquelles de ces affirmations sont vraies. Et là, on a une série d'inégalités avec des formules. Ça peut paraître un peu impressionnant, mais on va le faire pas à pas et tu vas voir qu'on a toutes les informations pour répondre à cette question. Donc la première expression, f de moins a est inférieure à 1 moins f de moins a sur a. Qu'est-ce qu'on reconnaît d'emblée? Donc f de moins a apparaît déjà ici. Ce point ici a pour coordonnée moins a, f de moins a. C'est-à-dire que son ordonnée ici, c'est égal à f de moins a. Donc ici, f de moins a, c'est situé entre 0 et 1. Donc on peut déjà écrire que f de moins a, c'est inférieur à 1, mais supérieur à 0. L'autre élément dans l'inégalité, on a 1 moins f de moins a sur a. Là, il faut y aller un petit peu à l'intuition. Dans ce chapitre où on voit les pentes des droites, et notamment des droites sécantes, les formules avec des coordonnées sur d'autres coordonnées, c'est les formules pour les calculs des pentes des sécantes, où on a delta de y sur delta de x. Et donc, en pensant à ça, 1 moins f de moins a, on a ici 1 et on a ici f de moins a. Donc, ça va correspondre au calcul de ce delta y ici. On a delta y ici qui est bien égal à 1 moins f de moins a et le delta x ici qui est égal à 0 moins moins a. Et moins moins a, c'est égal à a. Donc ici, la pente de la droite que je vais représenter en violet, elle est égale à 1 moins f de moins a sur a. Et ça correspond à donc l'équation de la pente pour la droite sécante qui passe par ces deux points ici. Maintenant, pour pouvoir comparer ces deux expressions, il faut qu'on arrive à situer l'expression 1 moins f de moins a sur a par rapport à 0 et 1, déjà pour voir comment on pourrait comparer à f de moins a. Et pour ce faire, je vais tracer la droite qui aurait pour pente 1. Comme ça, je vais pouvoir situer, je vais pouvoir comparer la pente de cette droite sécante à la pente d'une droite de pente 1. Donc une droite de pente 1, ça veut dire qu'elle partirait de ce point ici, moins 1, 0, pour arriver au point 0, 1. Et je la trace ici en vert. Voilà, cette droite de pente 1. Et c'est visuellement qu'on s'aperçoit que cette pente est légèrement moins inclinée que l'autre que la sécante, puisque elle la rejoint pour finalement se retrouver en dessous, c'est qu'elle est moins inclinée. Donc la pente de la sécante est supérieure à une pente de 1. On a déterminé que cette expression, c'est supérieur à 1. Dans cette inégalité, on peut situer l'expression 1 moins f de moins a sur a est supérieure à 1. Et donc c'est bien supérieur à f de moins a. Cette égalité, enfin cette inégalité, est vraie. Maintenant, ça va être plus facile et plus rapide de pouvoir comparer les autres équations, les autres membres dans les inégalités, puisqu'on a un point de départ, on a des points de comparaison. Donc ici, on retrouve la même expression, 1 moins f de moins a sur a, qui est cette fois comparée à l'expression f de a moins 1 sur a. Donc qu'est-ce que ça représente? F de a moins 1. On a ici f de a. On a ici 1. Donc f de a moins 1, c'est le delta y, ce serait le delta y ici, pour passer de ce point à celui-ci. Sur a, eh bien on parle de a pour arriver à 0, ça serait bien le delta x qui permet d'arriver de a à 0. Donc cette formule ici, c'est l'équation delta de y sur delta de x pour le calcul de la pente sécante qui coupe ces deux points. Je vais la tracer ici en rose. Cette sécante ici, elle passe par ces deux points à peu près. Et là, à nouveau visuellement, on se rend compte que la pente de cette sécante est bien moins, elle est bien moins inclinée, cette sécante, donc sa pente est bien inférieure à la pente de celle qu'on a précédemment dessinée ici en violet. Donc ça, c'est faux. Ici, la pente f de a moins 1 sur a est inférieure à la pente
1 moins f de moins a sur a. Donc ici, c'était faux. Selon le même principe, on compare maintenant la pente de cette courbe rose, ici, à la pente, donc ici, f de a moins f de moins a. F de a moins f de moins a, on est en train de comparer, donc, s'intéresser aux deux points qui sont aux extrémités. Sur 2a, ici, le delta x entre ces deux points, c'est bien a, c'est bien égal à a moins moins a, et donc ça fait bien 2a. Et le delta y, ici, c'est bien f de a moins f de moins a. F de moins a. Donc on a ici la formule de la courbe sécante aux deux points, ici, aux extrémités. Donc je vais représenter cette sécante ici en bleu. Voilà, à peu près. Et donc à nouveau, tout simplement visuellement, on peut comparer l'inclinaison de cette droite sécante en bleu à la droite sécante à ces deux points ici en rose, qu'on retrouve à nouveau ici. Et on voit que la pente de la droite bleue est supérieure à celle de la droite rose. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente? Ça représente donc la croissance de f de x sur cet intervalle de x, soit sa vitesse de croissance est supérieure à la vitesse de croissance sur l'intervalle ici, entre les deux derniers points. Et effectivement, ici, on voit bien que la courbe commence par une augmentation importante, puis ralentit. Et quand on s'intéresse juste à cette portion ici où elle a ralenti, eh bien, évidemment, son taux de changement est inférieur au taux de changement global entre ces deux points extrêmes. Donc voilà, donc à nouveau visuellement, on a déterminé que cette expression qui représente la pente de la droite bleue est en fait supérieure à la valeur de cette expression qui représente la pente de la droite en rose. Donc cette affirmation-là était fausse également. Seule la première affirmation a pu être confirmée. Donc voilà, en procédant pas à pas, on a pu obtenir quelques points de repère qui nous ont permis de comparer ensuite les autres expressions tout simplement visuellement grâce à ces pentes, à ces droites sécantes.